Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous voyez, je suis dans un très beau coin. Voilà, je suis dans un très beau salon, c'est bien décoré, c'est tout. Aujourd'hui, cette émission Fafa, elle est spéciale. Parce que c'est quelqu'un qui est arrangeur, qui est à la fois chanteur, beatmaker, tout ce que vous voulez. C'est un jeune, il est de la nouvelle génération, il travaille très bien, il est extrêmement talentueux. Et vous avez Fafa, c'est pas ça que nous on voit. Nous, on est venu chez lui à la maison. C'est chez lui ça, hein? On est venu chez lui, on est venu le suprême dans son studio. Donc voilà, on a vu le suprême chez lui à la maison, son studio est dans la maison. Plage musicale. Et vous verrez de qui il s'agit. On va le Siri, la famille. À tout à l'heure, c'est Fafa. C'est maintenant. Yeah. Mesdames et messieurs, c'est de lui qu'il s'agit. La plage musicale est finie, c'est que vous avez découvert. Maintenant, on est venu voir l'élément. Yeah. Hein, c'est le studio. Filmez bien le studio. Les gens ne sont pas là pour s'amuser. Les gens travaillent. Exactement. Les gens travaillent. Hein. Voilà, mouvement. Le studio est là, internet est là, tout. Zo. Super. Super. Toujours sur Osnat, toujours sur les parents. Alors, Stéphane, merci de recevoir le Daéré et l'équipe chez toi. Tiens, comment tout aussi. Si tu ne reçois pas, c'est qu'il ne s'est pas ivoirien. Il ne s'est pas reconnaissant. Ah, c'est la vérité de Daéré dans la Calabou aussi. Toujours, c'est zo. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec Stellaire, artiste émérite de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui fait partie de la génération montante. Il est hyper talentueux, vous savez, il a déjà des tubes, hein, tout ce qu'il a, c'est des tubes. Chile, Faut parler, la chanson Avant, tu pensais peut-être que j'étais un pion. Trop tard. Après, trop tard, il y a le nouveau single qui est là. Ah, le gars, il travaille, il tue. Alors, on est venu poser la question, parce que nous, c'est pas les chansons venues. Intéresse. Nous, on est le papato. Donc, nous, on veut savoir, on va lui poser les questions. Et puis, il ne peut pas fuir. Il va répondre. Parce que si on ne fuit pas, on répond sans peu fuir. Alors, Stellaire. C'est comment? Merci encore. Bon. Motif, moi, je crois qu'on va s'asseoir là. C'est pas mieux. Ouais, ok, c'est mieux. On va s'asseoir là pour parler. Bien débattre. Voilà, on va faire le travail. Alors, allez. C'est bon? Monsieur le cameraman, c'est bon? C'est super? D'accord. Zo. Alors, Stellaire, comment ça va? Ça va. Et toi? Ouais, je suis là en boulot. On se gère. Comment on se défend? super. Mon type, ouais. tu peux fermer la porte là, non? C'est pas mauvais. Non, il n'y a pas de soucis. Voilà. Oui, non, Fafa, c'est pas. On est un peu jeune. Pourquoi on va s'emmerder? On s'emmerde pas. Alors, dis-moi, comment est-ce que ça se passe, les mouvements actuellement et tout ça? Bon, on va dire, là, je suis en train de repartir un peu avec une nouvelle couleur musicale. Et puis aussi, faire un nouveau dynamisme. Parce que dans les deux années qui ont précédé ma carrière, depuis 2016 à maintenant, voilà, j'étais pas vraiment actif. D'accord. Voilà, c'était juste des singles, et puis il y avait trop de laps de temps, tout ça. Donc cette année, je veux vraiment être dans un mouvement où je sors pour. Voilà. Tu veux être dans le game, en fait. Voilà, tu veux être de 100 000 dans le game. Montrer de quoi Stellaire est capable. Voilà, tous les styles musicaux qui peuvent pas approcher. D'accord, super. Alors, Stellaire, tu sais, l'émission Fafa, nous, on n'est pas la mairie pour te demander, non, c'est quoi ton nom à l'état civil. Non, on n'a pas fait ton jugement. Tu vois. Mais nous, on veut savoir comment est-ce que tu es arrivé à la musique, parce que tu es quand même quelqu'un de jeune, de très jeune. Voilà, tu devais être fort à l'école, l'impression d'être à déjà fini des études, maintenant tu commences à faire la musique. Ah, bon, mon cher. C'est ça, qui a aussi connu un peu. Bon, déjà, l'école ça allait, mais en classe de seconde, je ne suis plus senti dans le général. D'accord. Voilà, il est forcé même à quitter le général. D'accord. Je suis rentré à l'INSAC. D'accord. Je suis rentré à l'INSAC en seconde. Et j'ai suivi un cours assez spécial où j'ai fait trois classes en même temps. Ah bon? La seconde, la première, la terminale. C'était assez compliqué, mais j'ai eu le bac. La même année? Oui, la même année.
Trois classes la même année. C'était assisté à ses cours, c'est-à-dire qu'il m'était coupé de du monde. Bien sûr, de concentrer bien sur les études. Voilà, le bac en question, je l'ai eu grâce à Dieu. Après que j'ai obtenu le diplôme, je suis allé étudier à l'extérieur. Voilà, parce que je voulais être arrangeur, arranger les sons, comprendre la science musicale de la chose. Donc j'ai terminé, j'ai fait 2 diplômes, non, normalement c'était 3. Mais je me sentais plus jeune. Là encore, il m'ennuie un peu. Donc, je suis revenu à Abidjan en 2015. Voilà, un peu ça. Ah, d'accord. Quand tu es revenu à Abidjan en 2015, mais comment est-ce que ça t'est venu? Parce que déjà, tu connaissais déjà les arrangements, tu mixais déjà les sons et tout. Mais comment est-ce que t'es venu l'idée de chanter toi-même? Bon, là, c'est né en moi quand j'étais en quatrième. Parce que nous, on voyait la télé. Il y avait à l'époque. Il y avait 50 Cent qui marchait fort, il y avait T-Pain, il y avait Chris Brown, il y avait tous ces artistes-là, il y avait des tous les Américains, ils mettaient fort sur il n'y a même pas une histoire même d'artiste ivoirien même. Ouais, non, il n'était pas vraiment influencé par la musique ivoirienne. Nous, c'est l'extérieur que nous on écoutait. Voilà, donc c'est eux qu'on regardait. Et puis, moi ce que je faisais, c'est ce que je composais, c'était de la musique bizarre, c'était pas encore bien net. Et puis j'ai découvert Dr. Dre grâce à 50 Cent. Et je me dis, mais comment le gars fait? Et puis ses musiques sont comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le beatmaking, le rap, les mesures, patati patata, tout ça. C'est comme ça que je suis tombé dedans. D'accord, super. Alors, Stéphane, dis-moi, comment est-ce que tu rentres dans le milieu, dans le gotha du showbiz ivoirien? Comment est-ce que tu rentres dans ce milieu-là? C'est une vraie question, parce que ça n'a pas été facile. Déjà que je suis revenu en 2015, là, mon mentor c'était Baby Philippe. D'accord. Alors, c'était Baby Philippe. Et la musique, que je faisais, j'avoue, je vais révéler ça comme ça, j'étais un peu trop loin déjà, j'étais trop en avance. Sur les beatmakers ici, tu vois. Et c'était purement vu que j'étais à Dubaï, et je traînais beaucoup avec des Nigériens. Donc la musique que je faisais était purement nigériane. Voilà. Donc, quand je suis revenu avec cette science en Côte d'Ivoire, les gars n'arrivaient pas à suivre. Voilà, parce que moi, il était dans un autre monde avec d'autres percussions. C'est-à-dire moi, il était dans un autre niveau des choses. Et ce que je faisais là, c'était pas le commercial d'ici. Donc j'ai dû quand même, on va dire, régresser de niveau. Même Baby Philippe m'a dit, ah petit, essaie de changer. Ces arguments sont bons, mais ça va pas marcher ici. Donc c'est comme ça que... C'est un très bon conseil qui t'a donné. Voilà, donc j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, ouais, c'est pas fou. Parce que tout ce que je sortais, bon, c'était trop jazz. Tu vois, non, les gars ici, Jose Arafat qui marche, Debodo qui marche. Tu n'es pas venu quoi, et puis tu as sorti un morceau jazz, ça l'emballe les morts. Ils veulent danser, ils sont pas là pour venir s'asseoir pour dire ouais petit enfant s'en fout de toi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Donc il y a pensé à ça. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Suspect. Suspect 95, voilà, on s'est rencontré, on a commencé à bosser sur des trucs. Comment la rencontre s'est faite avec Suspect 95? En tout cas, Suspect, alors, donc, on se connaissait depuis l'âge de seconde. Voilà, moi j'étais seulement beatmaker. Au lycée classique, on a organisé un truc qui s'appelle l'après-midi du lycée classique, le LCA. Donc tous les rappeurs viennent et puis chacun rappe. Donc comment moi je me suis fait connaître déjà même là-bas même. C'est-à-dire à chaque fois je venais avec mes beats. D'accord. Sur le téléphone, donc on dit ah lui les beatmaker, patati patata, et c'est comme ça, il y a eu un peu un nom. Et puis autant il traînait beaucoup avec Kiff No Beats. D'accord. Donc, ça m'avait un peu relevé. Donc il me suis servi un peu de ça pour me rapprocher. Il me dit ah moi je suis rentré à Abidjan, tout ça, donc on a essayé de travailler ensemble. Et c'est en étant en studio qu'on a sorti comment ça s'appelle? Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est forcé? Parce que c'était l'objectif que je voulais atteindre, c'était marier les rythmes de Côte d'Ivoire. Parce que est-ce que c'est forcé? Si on écoute bien, c'est un peu baoulé, comme ça. Donc les rythmes de Côte d'Ivoire à la musique traditionnelle, on va dire moderne, plus ou moins moderne, musique commerciale américaine. Donc fusionner les deux là pour donner quelque chose de nouveau. Et on a trouvé un truc avec est-ce que c'est forcé. Donc on a pris, on a arrangé un peu. Baby Philippe il est un peu touché un peu aussi. Voilà, niveau percussion, parce qu'il a vu un peu le mouvement de la chose, donc il est rentré dedans. Il a senti la chose. Voilà, il est très calé. Il a beaucoup appris beaucoup de choses. Voilà. Et il est rentré dedans. Puis on a le morceau sorti.
Et puis après, maintenant, quand on a bien compris la chose, on a dit, bon, ça, c'est le style qui va aller avec lui. Puis on a fait après, maintenant, mm-hmm. on a fait Enfant de Boss, c'est Boss. Enfant de Boss, là, il m'a donné le projet. Il a posé toutes les voix et puis il m'a laissé une semaine. J'ai travaillé dessus. Quand il a lui-même entendu, il était en jaillie. C'est comme ça que c'est sorti. Mm-hmm. Voilà. Et mm-hmm. c'est comme ça, mm-hmm. à travailler, enfin, on a travaillé ensemble. Mm-hmm. Et puis après, quand j'ai sorti Génération Chile, mm-hmm. avec If No Beat, mm-hmm. moi à la base je voulais bien être signé à Triomphe, mm-hmm. voilà, mais malheureusement il y a eu Overcome, mm-hmm. voilà, qui est rapidement venu, mm-hmm. voilà, sur le projet, mm-hmm. et bon, vu que la signature avec Triomphe n'était pas en train de se faire, mm-hmm. moi voilà, je me suis dit bon, c'est une bonne occasion, mm-hmm. vraiment pour avoir une carrière, mm-hmm, bien sûr. Voilà, bien structurée, tout, mm-hmm. ça. Donc j'étais même avec mon manager JJC, mm-hmm. que tu connais, mm-hmm. voilà, on allait les voir, on allait le saluer, le grand frère, mm-hmm. on lui a dit ah franchement bon, on a une structure avec qui on veut signer, ça se trouve qu'ils vont vraiment prendre la carrière, mm-hmm. aussi, et tout, mm-hmm. ça. Donc on est venu plus ou moins, c'est une façon de prendre ta bénédiction. C'est ça, on vient de demander la bénédiction. La bénédiction et ta permission de le faire. Donc il a dit, si tu sens que ton cœur, mm-hmm. te dit d'aller là-bas. Donc, puis c'est comme ça, on a mis Overcome. Sinon, nous, on avait déjà fait notre titre. Mm-hmm. On avait fait, moi, il y avait déjà créé mon fille, tout. Mm-hmm. Et puis vu que... D'accord. Vois, donc, ils ont profité en même temps pour produire le truc. Sinon, voilà, c'était déjà fini. Voilà. Toi, tu avais déjà fait la prod. Ils allaient rentrer dans tout ce qui est un peu... Financier et tout. Voilà. Ils sont derrière là. Mm-hmm. On a dit, bon, on a fait confiance. Et puis c'est comme ça, j'ai l'impression qu'il est sorti. D'accord. Sous eux, quoi. Oui, sous eux, oui, bien sûr. Super. Alors... Donc tout à l'heure tu parlais de Overcome, mm-hmm. Donc après ça et tout, on a vu les titres que tu as sortis et tout, mm-hmm. ça. Bon, selon nous, on pense que Overcome est quand même une maison sérieuse qui t'a quand même fait connaître, mm-hmm. tu vois, qui t'a quand même fait connaître. Mais nous on a appris que tu n'es plus avec Overcome. C'est ce que nous on a appris. Bon, je sais pas si c'est faux, hein. Mais on a appris que tu n'es plus avec Overcome. Alors que nous on sait que c'est Overcome qui t'a fait. Mm-hmm. Pourquoi vous les artistes? Quelqu'un vous fait, on vous connaît un peu, vous voulez déjà partir, je sais pas. Hein? Non, tu fais bien de poser cette question. En fait, c'est un peu délicat et puis un peu long. Mm-hmm. Déjà. Attends, moi je suis bien assis. Hein. Ah, ouais, c'est un peu délicat. Déjà, quand on avait signé, tu sais, moi je suis un gars, je suis vraiment extrêmement un peu trop gentil. Tu vois, quand on avait signé déjà notre contrat là. Déjà, ce qui était écrit dans le contrat, c'était pas ce qui était exécuté. D'accord. Voilà, tu vois. D'accord. Non, c'était pas vraiment ce qui était exécuté. Mais moi, à la base, moi, ce que je cherchais déjà de la une bonne visibilité. C'est pour ça même déjà, comme je l'ai dit, quand j'ai fait mon clip, j'ai créé mon featuring, j'ai fait mon son Génération Chile, mon projet Génération Chile. Vu que je me suis dit que... Donc Génération Chile, excuse-moi, je t'ai coupé. Mm-hmm. Donc la chanson Génération Chile, tu avais déjà fait le son, le clip et tout. T'es déjà là. Avant même que Overcome ne vienne sur le projet. D'accord. Moi j'ai pensé que le son était déjà bon, puis c'est eux qui ont fait le clip et tout ça. Tout était déjà prêt, propre. Voilà. D'accord. Et je me rappelle ce jour, on était dans mon escalier, dans l'autre maison où on était. C'est mm-hmm. petit qui m'a dit, ah, voilà un artiste. Mm-hmm. Voilà que tu peux produire, mm-hmm. c'est comme ça même qu'il a rencontré Diego. D'accord, c'est Diego Siané qu'on salue au passage. Voilà, c'est comme ça. Salut aussi à nos Gada Gada, la famille. C'est mm-hmm. Donc c'est comme ça qu'il a rencontré le grand frère Diego. Mm-hmm. Donc, je suis rentré jusqu'il y avait déjà la famille, il y avait If No Beat, mm-hmm, bien sûr. Voilà tout ça là. Donc je me suis dit bon voilà, c'est une belle occasion. Et puis on a commencé à collaborer. Mais comme ils le disent, les thèmes de notre contrat là n'étaient pas ce qu'on est en train de respecter physiquement, mm-hmm. voilà, dans le sens où genre par exemple la plupart des sons, hein, ils cachent rien, la plupart des sons le grand frère Diego n'a vraiment pas investi de l'argent, tu vois, non, ça au moins on le lui gratifiait, mm-hmm. tu vois, non, mm-hmm. on lui gratifiait ça. Et puis aussi bon, on essayait de voir comment on pouvait essayer de céder
bon, surtout au niveau souvent des clips, des choses comme ça, tu vois, non, pour que les choses soient un peu plus réduites et puis que les choses permettent de pouvoir mieux travailler dans la communication. Exactement, un peu plus réduite, et puis voilà, que les choses. Avec sur le coup, bon, un exemple, si le clip coûte 1 million, toi, Stella, tu t'arrangeais pour mettre un peu dedans. Voilà, non, pas que mettais mon argent, on essayait de voir, vu que par exemple, Framzy, c'est mon gars, Framzy qui faisait mes clips, moi, c'est mon gars, donc on peut aller le voir, on peut dire, ah, telle chose, faut 10 000, voilà. C'est vrai, pour permettre à Diego de ne pas trop dépenser, pour mieux dépenser de l'autre côté. Voilà, exactement. Parce qu'il ne suffit pas de faire le clip, de faire le son. Après, c'est la communication. Ouais, je comprends. Vu que bon, il connaissait pas vraiment le numéro, il venait de rentrer, mais il me dit que si tu veux aller loin là, faut quand même ménager ta monture. Et puis il faut aider aussi les gens qui sont autour de toi. Tu aides et puis ils vont t'aider. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que moi je voyais la chose. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Mais genre, au fur et à mesure, moi, il peut dire, bon, peut-être c'est mon défaut. Voilà, peut-être c'est mon défaut. Mais moi, ici, un gars, comment il travaille, il va me casser la tête. Mais il faut qu'au bout d'un moment, il puisse vraiment voir un résultat qui me plaît. Voilà. Ah, mais Stella, toi aussi. Non, si. Donc, le résultat qu'elle a là. Il y a beaucoup d'artistes de ta génération qui t'envient, pas qui t'envient de façon négative, mais qui ont envie d'être comme toi. Parce que toi, Stella, tu es diffusé sur les plus grandes chaînes de musique urbaine. Oui, matin, oui. Midi et soir, on te voit à la télé, on t'entend chanter. Tu es joué dans les radios, partout. C'est comme mais ça, il y a des dit un truc. Tu sais, tu peux passer à la télé, non? Et puis tu sors pas. Tu connais la partie. Hein? C'est bizarre. Ouais, tu n'as pas de spectacle. Voilà, tu es à la télé, puis tu peux pas le lendemain demain. Hein? Tu sais que c'est bizarre, toi, tu n'as pas payé ton déjeuner. Et on passe mon dit, les cachets qu'on a ici en Côte d'Ivoire, c'est pas tellement ça. C'est vrai. Voilà, mais il y avait de bonnes opportunités à l'extérieur où on n'est pas allé. Donc il y avait déjà ça, mais je suis resté toujours calme. Tu vois, non, parce que moi j'ai appris, parce que tu sais, d'aller au courant des choses. Moi j'ai appris que Stella, ils ont réclamé Stella d'un pays étranger. Parce que c'est facile de dire non, tu ne sors pas, on te réclame dans le pays étranger. Et Stella, on dit, on va te donner 1 500 000, 1 800 000. On dit Stella dit non, que c'est petit. Stella a dit c'est petit, que là il n'est pas beaucoup dans lui, papa, que lui il est une star, il doit prendre au moins 3 millions. Non, il demande à Dieu, déjà même si il peut faire ça, personnellement je m'excuse devant toutes les personnes qui sont en train de regarder cette interview. C'est-à-dire moi, ma propre personne, je m'excuse parce que tu sais, l'industrie, il y a toi, mais puis il y a des gens qui sont devant toi qui gèrent les choses. D'accord. Voilà, donc c'est parce que c'est ce que nous on nous a appelé pour dire, mais Ramzy, toi tu défends tout ton artiste, tu le défends, mais on a voulu le faire venir ici. Il dit, il veut 7 millions, il veut pas 1 500 000. C'est ce que nous a dit, donc il faut parler. Non, ne pensez pas ça à la base. Normalement, bon, on a qu'à être un peu intelligent. Tu as chanté 2 sons, toi tu penses que tu es qui, tu es MHD ou bien, honnêtement. Voilà, mais c'est les personnes qui ont été devant qui ont probablement mal parlé. D'accord. Voilà. Et puis après, il y a eu peut-être un effet de zèle qui est né. Donc ça veut dire que Overcom a refusé de prendre cet argent-là. Ils ont voulu plus. On va pas dire Overcom, mais peut-être les managers. Vous savez que je manage. Oui, bien sûr. Voilà, les managers qui étaient autour là. Il y a eu forcément tumulte là-bas. Il y a beaucoup de dates comme ça qui ont été annulées. Mais moi encore, il était encore genre tout jeune dans la tête. Où il dit non, ils savent ce qu'ils font, c'est leur travail. Mais vraiment. Et il y a eu ce côté-là, côté financier, et vraiment, minimum, c'était un peu la jachère. C'était la jachère, hein. Si moi, j'étais pas arrangé, c'était bizarre sur moi. Tu vois, il y a eu ce côté-là. Et puis, il y a eu le côté où, genre, il y a senti, à chaque plus le temps passe, plus il y a une régression. Tu vois, il y a une régression dans la vision. Tu sens que les gens ne bossent pas en tant que tel. Voilà, il sent comme si les choses sont en train de se réduire, de génération chillée qu'on a créée. À partir de faux parler, de trop tard et ainsi de suite. À chaque fois qu'un truc sort, ça diminue. Là, il a dit, gars, vraiment, il y a un problème. Voilà. Moi, personnellement, moi, le sacrifice qu'il a fait de gens, des choses que je vous donne là. Moi, en retour aussi, moi, ce que moi, je vous ai demandé là, là même, là, c'est votre devoir, c'est de me donner une visibilité palpable. Puisque vous êtes les producteurs. Exactement. C'est de me donner une visibilité palpable. Mais il me fait manger aussi. C'est vraiment de la piste, là, manger. Voilà, c'est le minimum. Il ne demande pas plus. Il veut avoir mon petit jet tourner avec. Il veut qu'on appelle ça, avoir la visibilité et puis il tourne aussi satisfait. C'est tout ce qu'un artiste demande. Mais je ne suis pas en train de voir ça.
Et le tout, le, maintenant, le discours meilleur ouvert comme a commencé là, moi, la base, c'était de, qu'on appelle ça, c'était de revoir tout le contrat. Et il me rappelle un jour, on était avec le directeur en question, on s'était vu à un anniversaire, un anniversaire d'une personne. Et c'est là-bas, il m'a dit, ah, si ça, si, on avait déjà un discours comme ça. Il m'a dit, si cette fois ça te plaît pas, si tu veux, on casse le contrat. C'est là même tout le discours a commencé. Parce qu'il ne t'a pas dit ça de façon respectueuse en fait. Non, si, calme-moi, moi, pendant un an, de 2016 à 2017, je n'ai jamais pensé. C'est-à-dire, on m'a attaqué ça dans ma tête, parce que je n'ai jamais pensé à faire ça. Parce que comme il dit toujours encore, c'est un gars ici gentil déjà de un. Et quand quelqu'un t'aide là, il faut laisser la personne t'aider jusqu'à la fin. Laisse-la faire ce qu'il, voilà, ce qu'il a fait. Il faut laisser la personne faire ce que la personne doit faire. Donc quand ça vient, il dit non, laissez, il essaye ce qu'il y a entre moi et lui. Mais il y a plein d'autres, petits trucs qui ont fait. Et puis genre, vraiment, ça m'a un peu piqué. Mais c'est ces deux points-là. D'accord. Le côté financier et puis le fait que, comment on appelle ça, voilà, le fait qu'il n'y ait pas, je n'ai plus assez de visibilité. Donc c'est ce qui a fait que voilà, donc moi il me dit bon, faut qu'il y ait essayé de recommencer tout à zéro. Mais Stéline, tu cherches quelle visibilité? C'est ça, moi tu n'as pas répondu à ma question. Tu passes sur les meilleures chaînes de musique urbaine ici en Afrique. Je sais te dire là, il y avait deux points. D'accord. Attends, tu prends le point de la visibilité. Bon, il peut dire que là on est en train de redémarrer. Voilà, on va redémarrer, on va essayer de comprendre un peu le terrain. Mais après le côté de il dit ça comme ça, hein. Bon, ici on maintenant après ton nom est gâté de derrière, à l'extérieur. Voilà, tu vois, non? Donc, faut qu'on... Ah oui, tout ça, ça fait partie de la visibilité. Là, donc, tout ça là, bon, moi, j'ai décidé de répondre un peu tout au mieux avec mon staff. Et puis, on va essayer de remettre les choses en place, aller rencontrer les personnes nous-mêmes. Et puis, leur dire que non, c'était pas ça. Voilà, comme les choses sont passées. Et puis, cette fois-ci là, vu qu'on contrôle nous-mêmes la chose là, on aura une interaction directement avec vous. Voilà, simplement. C'est ça, on est en train d'écrire maintenant, en fait. D'accord. Mais tu ne penses pas que... est-ce que tu es sûr d'avoir l'équipe assez compétente, l'équipe assez déterminée? Tu sais, moi, je te parle en connaissance de cause. Hein. Tu es l'artiste, tu crées tes œuvres. C'est toi qui sais ce que tu veux faire de toi-même, tu vois. Donc, pour que ça réussisse, il faudrait que tu aies des gens qui voient dans la même direction que toi et qui sont dévoués, qui ont envie de se battre. Ça dit quand il regarde son artiste, lui, il est déjà le premier fan de son artiste. Donc, lui, il peut braver le soleil, braver la pluie pour aller faire ce qu'il a fait pour que son artiste puisse voyager, pour que son artiste puisse être vu, pour que son artiste puisse... Bon, tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que tu penses avoir les armes pour ça? Est-ce que tu penses avoir l'équipe pour ça? Donc, en tout cas, Vimor, il te dit, comme il disait précédemment, moi, je suis quelqu'un et c'est très gentil. Et puis, je prends minimum la peine de regarder les choses. Comme il a dit là, quand je suis rentré dans Overcom, il a laissé le temps, tu vois, de travailler comme il se devait. Je me suis plaint à certains moments par rapport à ces points-là, mais franchement, ça c'est moi, il n'a pas vu l'amélioration. Il a plutôt vu une régression. Voilà, un décrescendo même dans la chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, bon, suffit que c'est ce que tu veux qu'on fasse. On va le faire. Et comme il le dit avec eux là, c'était pas les plus professionnels. Overcom à la base, c'est une over communication, tu vois, non? Donc c'est une société de communication, tu vois, à la base. Mais communication, même, bon, il ne me sent pas vraiment dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais plutôt? Dans la vie là, il n'y a personne qui aime quelqu'un. Tu vois, non? On prend le temps d'abord d'étudier les choses et puis avancer. Donc, façon il fait eux là, c'est comme ça que je vais faire aussi avec ma nouvelle équipe. On est tous, d'abord nous qui sommes là, on est tous jeunes. On est tous fougueux, on veut réussir, on est un peu bête dans la vie. Là. Forcément, arrivé un moment là, on sera hieré. On comprend certaines choses. Ouais, quand tu te fais gifler, quand tu connais la douleur, tu sais comment faire. Il prend sur moi, c'est artiste amateur. Il est booker amateur. Il est manager amateur. Arrivé un moment là, il sera artiste professionnel. Il aurait manager professionnel. Booker professionnel. Ça s'apprend. Voilà, c'est avec les moments difficiles de la vie là qu'on devient quelqu'un de dur. Voilà, donc n'aie pas peur. Tu trouves que tu as tout le temps, n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé du tout.
Il y a trop de tubes dans la casserole. Aïe, aïe, je t'ai dit. Alors, Stellaire, dis-moi, est-ce que tu n'as pas peur de te casser le nez dans cette histoire de... Parce que c'est vrai que quelque part avec Overcom, il n'y a pas ce que tu voulais. Parce que toi aussi, tu as une certaine vision, oui. Mais Overcom a quand même fait des choses que beaucoup de labels ici en Afrique n'arrivent pas à faire. Tu passais sur des, comme je dis toujours, sur des grandes chaînes, sur des grandes chaînes internationales et tout ça, comme Ivoire TV et tout ça. Voilà, tu passes aussi sur plein de radios, plein de grandes radios ici en Côte d'Ivoire, même à l'extérieur, on te joue. Tu vois, est-ce que tu penses que toi tu pourras même faire ce qu'ils ont fait et ôter là? Comme moi, déjà à la base, moi, il n'y a rien contre Overcom, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, j'aime le travail bien fait. Et puis, quand il commence à travailler, quand il n'y a pas d'objectif, ça me démoralise, il me sent bizarre. Parce que moi, quand il travaille, il me met à fond. Donc, toi, tu ne me donnes pas les résultats que je veux, là. Il devient bizarre. Pour concrètement, comme il a dit, il n'y a rien contre Overcom. Mais ce que moi, j'aimerais qu'il fasse, c'est déjà qu'il se concentre. Tu sais, ce que moi, j'ai remarqué, c'est encore en Afrique, ici, les gens... Pour ne pas dire le milieu là, ça y est, le milieu de genre la communication des sons là, c'est pas assez développé. C'est pas, on nous prend pas vraiment au sérieux. C'est ce que je ressens, tu vois. Donc, quand il y a un artiste qui est là comme ça, qui est un peu genre en vogue là, on a qu'à essayer de continuer à allumer le feu jusqu'à ce qu'il soit capable de plus ou moins. Ça y est, c'est facile, on peut l'appeler, il voyage là, comme ça, on peut dire celui-là, on l'a bien développé. Et ça fait un dossier de bon, de bien, de classé. Voilà. On attaque quelqu'un d'autre. Mais ce que vraiment ils reprochent à Overcom là, c'est que à un moment donné, il y a eu l'impression que avec les autres artistes qui sont arrivés là, ils n'étaient pas assez costauds. Par exemple, leur budget de communication était assez, c'était assez réduit. Faites-moi à mon niveau. Et je suis pas encore ici. Je me dis pas c'est aussi que je suis le meilleur, mais il était quand même minimum l'artiste qui était assez en vogue. Donc je me dis peut-être qu'ils auraient dû par exemple peut-être plus se concentrer sur moi avant de développer d'autres artistes. Mais c'était les aussi. Ça c'est de l'égoïsme. Tu m'arrêtes ça. Voilà. Montrer que je suis pas égoïste là. Voilà. Montrer que je suis pas égoïste là. Vu qu'il y a d'autres artistes, il n'y a pas de problème. Si peut-être le budget est un peu réduit et puis il y a trop d'artistes, moi il peut par exemple tranquillement quitter. Mais il ne veut pas que ce soit genre comme une équipe de football. Attends, tu ne veux pas qu'on fasse mousser tes camarades, tu veux mousser toi seul? Non, pas ça. Il veut qu'on fasse mousser, mais si tu veux là même là, moi là, faut m'enlever. Faut me retirer même. Mais si les autres peuvent arriver loin et puis ça la Côte d'Ivoire va arriver loin là, c'est bon. Mais il ne faut pas que j'en yage moins. J'arrive d'un stade où je suis là qu'on est pissé à ses pieds, ici pour me recader. C'est pas chic. Voilà. Tu peux aider des gens, mais moi, faut pas fermer ma créativité, ma musicalité, tout ça là. Non. Laisse ma carrière. Si tu penses qu'il faut me libérer pour que les autres puissent avancer, fais ça. D'accord. C'est ça, c'est tout ça. Moi, il pensait que tu étais jaloux. Hein. Non, bah, ça prend la jalousie. Hein. Non, il n'y a rien dans la jalousie. Moi, au contraire, moi, il veut même. Peut-être, si vraiment tu penses que tout ce que tu dois me donner là, il faut donner à quelqu'un. Et puis la personne a plus besoin de ça que moi. Moi, il n'y a pas de problème. Mais faut pas venir mettre un bargo sur mes oui. Voilà. Ah, donc, Overcom a mis un bargo sur tes mouvements. Pas qu'Overcom a mis un bargo sur mes mouvements. Je ne sentais plus Overcom dans la communication. Te concernant. Voilà, me concernant. Voilà. Ah, il y a l'impression que peut-être, ce qui m'était dédié là, c'était divisé maintenant. Oui. Voilà. Et puis, c'était devenu trop liquide en fait. Voilà, c'était plus assez. C'était plus du loup. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'il a rapproché. J'ai dit, vraiment, il sent pas les trucs, tout ça. Bon, après, ça rentre dans d'autres choses. Mais voilà, c'est ça même là. Ce qui m'a fait, puis il a dit bon, il veut vraiment couper les liens. D'accord. Alors, la famille Overcom, vous me connaissez, vous êtes mes frères. Moi, je suis pas quelqu'un qui dénigre, mais qui parle mal de qui que ce soit. Voilà, il fallait éclaircir le sujet parce que moi, j'ai appris que mon artiste n'est plus avec vous. Donc, raison pour laquelle moi, je lui ai posé la question. Il a dit en fait, pour conclure, pour résumer ce qu'il a dit, il n'a aucun problème avec Overcom. Non, il reconnaît ce que Overcom a fait pour lui. Il est arrivé à un moment, il n'a plus senti le boulot comme
il le fallait. Or, lui est un jeune artiste qui a envie d'aller très loin, qui a envie vraiment de voyager, de connaître beaucoup de choses. Il a senti que c'était un peu bizarre, raison pour laquelle, bon, il a décidé de partir. Bref, il ne faudrait pas que les gens aillent raconter autre chose. Voilà. Coup, mais si, maintenant que... Si mon départ peut faire que Jean All Black ou bien nous, ou bien Aya, nous-mêmes, Braille et Bob, eux puissent évoluer, aller encore plus loin, Dieu merci. Voilà, c'est ça. Super, super. Dis-moi, Stella, excuse-moi. Stella, dis-moi, là maintenant, tu as décidé de, voilà, de faire, on va dire, cavalier solitaire. Tu n'es plus dans le label. Donc, comment est-ce que tu t'ériges comment en artiste indépendant qui s'autoproduit, en artiste indépendant qui s'autoproduit, mais avec son propre label? Bon, il n'est pas encore créé le label, je vois. Mais déjà, dans un premier temps, comme il disait, il cherche une visibilité puis une stabilité. Voilà, dans la vie, il ne faut pas se précipiter. Donc, oui, je me considère comme un artiste qui s'auto-produit. Voilà, déjà pour essayer de recréer cet engouement-là auprès des fans. Voilà, vraiment, oui, non, Stella, il sort les sons, il bouge bien, et voilà, il a de bons sons, il fait de bons spectacles. On le re-aime. C'est exagéré. T'as créé un mot, t'as créé un verbe. On le re-aime. On le re-aime. Tu vois, donc. C'est la Côte d'Ivoire, c'est voilà, comme ça. Non, non, c'est ça. C'est Donc, c'est ce que je veux recréer. Voilà, donc à partir de là, maintenant, on peut dire bon, on peut passer à une autre étape et ainsi de suite. Sinon. Pas d'inquiéter, ça arrive. Stella, on the beat. Alors, Stella, dis-moi. Franchement, Stella, les femmes, il y a trop de bavardages. Ah, Stella. Comme Arafat le dit, tu te sers de ta bellesse. Hein, pour fatiguer les totos framponnants, comme lui-même l'a dit. Voilà, tu te sers de ta beauté pour fatiguer les petites filles. Tu allais au Bénin, tu allais faire mouche. Tu allais au Burkina, tu allais faire mouche. Tu allais au Congo, tu allais faire mouche. En Côte d'Ivoire même, c'est gâté. Mais tu as quel problème? Il y a pas. Tu as quel problème? Les beaux te disent, ah Stella, je t'aime, je suis une fan. Allez, passe à la casserole. On lit, c'est comme ça que tu es. On doit éclaircir un peu les choses. Par exemple, quand il y a eu déjà l'histoire d'Erika, là. Oui, ça même là, c'est pas ça, il voulait commencer. Bon, l'histoire d'Erika, dans le genre, déjà, il peut pas avoir relation. Genre, relation amoureuse, là. Il peut pas avoir. Pourquoi ça. Quand tu es garçon et les femmes, non, ah, c'est si, mais genre, il sait pas, ça existe. Tu vois, non? Il y a tant, forcément, il y a des goûts, là. Quand tu la vois, là, Joe, tu peux jamais penser que tu peux sortir avec elle. C'est pareil pour Stella et Erika. D'accord, tu vois, quoi, vous êtes des amis quoi, des amis vraiment, c'est bizarre, tu vois, non, mais à la base, ce qui s'est passé sur internet là, c'était pour créer du buzz. D'accord. Voilà, c'était pour créer du buzz, et puis bon, excusez-nous, mais vous êtes tombé dedans. Voilà. C'est pour créer du buzz, et puis avec le mouvement de Miss, tout ça, et puis autant Stella Mousset, donc si Erika qui vient juste d'arriver, c'est son gars, c'est Stella. Tu vois, non, il y a un mouvement. Ah, c'est là, donner du poids, quoi. Voilà, c'était du poids. Donc, quand il y avait une petite équipe qui gérait ça, d'accord, donc voilà. c'était du buzz. Voilà. Et puis après aussi, on a fait aussi avec un peu Andrea. Voilà. Donc, toi, attends, tu donnes les points seulement. Non, avec Andrea, c'était un petit truc, on fatiguait les gens sur Snap. Bon, pas qu'on s'amourachait, mais on s'attrapait un peu bizarre. Voilà. Ah mais moi il te comprend pas. Ça on te comprend pas. Ça on faisait exprès. Ça on faisait exprès. Mais tu sais que moi je peux pas croire ce que tu dis. Ah. Parce que pour Andrea là, moi j'ai vu les snaps, j'ai vu les choses. C'était ta go. Faut dire que c'était ta go. Ça fait quoi? Mais faut savoir que c'est. Il y a un truc qui est bizarre. Si vous avez bien réfléchi, Andrea et Mimi, enfin Erika Konaté se connaissaient. Et si vous regardez bien là, quand il faisait snap d'Erika Konaté, c'est la même pièce où il faisait snap avec. Donc elles sont. Il ne veut pas dire qu'elles sont bêtes, mais elles vont pas vivre en concubinage dans la même pièce. Genre, il y avait deux go et puis c'est bizarre. Donc, c'est le petit indice qui montre que j'ai dit la vérité. Donc, ça veut dire qu'il y a une qui n'était pas ta go, il y a une qui était ta go. Les deux n'étaient pas ma go. Ma go voyait ça, il y avait discours, mais c'était pour la télévision. Ah, d'accord, c'était pour la télévision. Alors, mais au Burkina là, ça, tu vas dire encore que c'est pas ta go. Ouais, au Burkina là, non. Mais là, dis pas la vérité. Il dit pas la vérité. Ouais, je comprends pas. Non. Hein? Mon Burkina, là, c'est son nom, il veut sortir. Il s'appelait Joyce. D'accord. Voilà. Si vous citez au Burkina, il faut chercher Joyce. Joyce est une Allemande. En fait, quand on arrive au Burkina, la go Joyce en question, c'est son papa qui nous a reçus. Tu vois, donc on était dans leur maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chambre où j'étais là.
elle rentrait comme elle voulait. Tu vois, non. Et quand, enfin, la scène qui s'est passée là, c'est que la veille, après que j'ai reçu le prix, on a fait une fête à la maison. On évitait, ça se cache, on évitait les bébés. Elles sont venues en tard, tu vois, non. Maintenant, après, le matin aussi, il y en avait encore qui était là parce qu'elles voulaient faire photo. Tu vois, non. Moi, c'est dans la photo là, elle est rentrée dans ma chambre. Et puis, elle a pris son téléphone. Et puis, elle a fait un truc sur WhatsApp, parce que c'est comme Snap, façon. Mm-hmm. Elle a snappé. Pendant qu'il était couché, il dormait. Donc, façon, elle a snappé là. Et les gars qui ont fait screenshot, vu que c'était chez elle, mm-hmm. ils ont fait screenshot. Et puis, ils ont collé ça avec la photo où genre, elle a une photo où elle était assise sur mes pieds. Mais oui, j'allais te poser la question. Une go assise sur tes pieds le lendemain, elle, non, tu dors. Non. Et tu dis non, qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de. Mais ça, elle t'explique. Tu vois, non, elle était assise sur mes pieds. Donc, ils ont fait le collage. Et puis, ils ont lancé ça sur une page. Mon mec, c'est pas que c'était une page populaire au Burkina. Donc, moi, lui, il a dit, oh, les bons, ils sont rapides. Hein. Petit truc, ils ont créé ce coup ça. Donc, on est rentré à Bitch. Quand on est rentré à Bitch. Hein? Buzz n'est pas buzz. Buzz n'est pas buzz. Non, tu sais, Abidjan, tu peux voir les petits trucs, mais quand ça arrive sur First. Hmm. On dit pas fort, on dit petit seulement. C'est là que tu sens que c'est djinzin. C'est là que tu sens que ça a pris en fait. Donc quand ça arrive sur le mouvement là-bas, ah, vraiment. Là, je remercie encore mon vieux père Diego qui a passé un coup de fil rapidement, minimum au moins, mm-hmm. pour faire supprimer ça parce que c'était pas très joli à voir. Et puis encore, c'était une fausse information. Mm-hmm, ouais. Ouais. Ça allait salir l'image de l'artiste. Ça avait déjà sali. Mais l'artiste même, il allait faire les trucs au Burkina et puis on les défend ici. Ils ont partagé. Moi, je comprends pas. Tu sais que moi, je n'arrive pas à croire ça parce que, voilà. Si, la voix sur tes pieds la nuit, le matin, tu dors, prends si, photo. Si, tu sais qu'il y a quelque chose. Non, je sais. Tu peux pas. Il faut respecter tes fans. Je sais que c'est ça, mais c'est pas ça en même temps. Comme il le dit, non, je sais que c'est ce qu'on pense, c'est pour ça que c'est ça, mais c'est pas ça. Tu vois, non, Yves, c'est ça. Il me fuit, mais il ne peut pas fuir. Donc, tu vois, non, mm-hmm. c'est bon, c'était là. Actuellement, ta chérie, là, c'est qui? C'est qu'est-ce qu'elle est là? Mais non, on sait qu'elle est là, mais c'est tout. Non, elle est péripétie. Parce que toi, on dit tu es papier. Non. Comme on crée les mots, tu es papier fameusement. Elle dit que fameusement, tu es papier. Donc, non, il faut que tu nous dises. Non, elle est là, mais il préfère. Genre, pourquoi? Il préfère. Avec les artistes, on dit, comment s'appelle ta femme? Elle s'appelle bébé. Bébé, là, même, on appelle nouveau-né bébé. Bébé, ça, c'est le nom de quelqu'un, ça. Ouais. Donc, tu ne veux pas casser le capot. Non, il ne veut pas. Il peut dire qu'elle est là. Hein, mm-hmm. Voilà, pour. Tu vois, donc, parce que tu sais, nous sommes des hommes. Elle est ivoirienne ou pas? Elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne ghanéenne. Il a au moins 5 go qui sont ivoiriennes ghanéennes. Donc, où elles sont se poser la question? Non. Elles sont sûres. Alors que le gars, il est fort. Il connaît son travail. Elle est là. Mais tu vois, non, c'est dingue. Mais qu'est-ce qu'elle pense de tout ça là? Ton nom est gâté. Hein? On dit, tu cherches trop femme. Ah, mon cher. Mais c'était la même. Cherche trop femme. Mon cher. Elle dit quoi? Attends, je vais te poser une petite question. Mm-hmm. Que tu sois artiste, mm-hmm. acteur, ou okay, mm-hmm. je ne sais pas qui. Mm-hmm. Garçon, c'est pas garçon. Donc, s'il y a mieux ailleurs. C'est moi qui pose des questions ici. Non! Ah, non, bon, yo, on va te parler. Okay. Je suis toi, tu es moi. Mm-hmm. Ça passe dans la même jeu là. Mm-hmm. Allons-y. Donc, quand tu trouves un truc, c'est quelque part là. Les chéris, en même temps, c'est un conseil que vous donnez. Vos gars, vos copines vont aller dire que ton gars t'a trompé, c'est ceci, c'est ça. Vous avez fait comme il était ensemble. Il est là, non? Il t'aime, non? Faut rester, ma chérie. Faut pas écouter. Faut pas écouter, non. Voilà. Donc, elle-même, elle est partie. On a vu que c'était un train bizarre. Bon, elle est revenue. Stella, le bizarre de Mani. Alors, Stella, dis-moi, une petite question. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération d'arrangeurs qui arrangent les sons afrobeat, afro-trap, rap et tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Tamsi, au passage, Shadow Chris aussi, Mr. B, tous ces gars qui essaient de bosser aussi pour faire avancer la musique ivoirienne. Ouais, si, je pense qu'on est vraiment dans notre temps, vraiment dans notre ère musicale, mm-hmm. on a notre
propre style d'arrangement. Mm-hmm. Voilà, même si on ne fait pas vraiment comme les vieux pères, comme David Taïro, tout ça, là, mais mm-hmm. on a notre couleur. Mm-hmm. Voilà, et je pense que voilà, on est en train de montrer une nouvelle image mm-hmm. voilà, de l'Afrique. Super. Donc, en tout cas, je pense qu'on est, dans notre temps, voilà, on est en train de faire notre moment. Super, super. Alors, Stella, tu me connais, je ne vais pas partir comme ça. Mais il faut framponner un truc, tu vas faire un petit truc pour moi là. Il voit que tu as besoin de ça. Il va te montrer un peu la capella du. Zo, mets le beat et puis tu vas faire un petit truc dessus. C'est Stella quand même. C'est l'artiste du moment. Mon cher. Du texte, mais on s'est rencontré dans la zone. Au début, t'étais pas en solo, ça c'était mon test. Peux-tu te commémorer tout ce que j'ai bravé pour ton faune? Je voulais faire de toi ma femme, c'était pas juste pour tes fesses. Si je te donne de la money, oh ah, cause I love your body, oh, je voulais te faire voyager en avion. Ah, ce qui t'intéresse, c'est la money, oh ah, la money, oh, je voulais te présenter à ma famille, oh. Ah. Et tu m'as pris pour Gao, eh. Ah, j'ai mis ma tête sur toi, eh. Un petit temps balai-vain. J'ai mis mon cœur dans tes mains. Un petit temps balai-vain. Je voulais changer juste pour toi, eh. Un temps balai-vain. Pour te satisfaire, je voulais aller de l'avant, eh. Hey. Ah, mais dis-moi, bébé, pourquoi? Pourquoi, bébé, pourquoi? Pourquoi, bébé, pourquoi? Pourquoi, bébé, bébé, pourquoi? Pourquoi bébé, pourquoi? Pourquoi bébé, pourquoi? Yeah! Pourquoi bébé? Stay! Tu vas tuer! Tu vas tuer! Ah, ah, ah. C'est ça, c'est le travail, c'est le dernier! Fafa, ça chauffe pas! Bon, ma voix est un peu cassée, mais elle fait un petit truc, regardez-le! Il veut, vous voulez! Jamais! Le dernier, il est chanté! Heureux! Il est c'est Fafa, tu n'as pas compris ça. Et derrière toujours grand bas. Avec mon fils Stella, on va faire un petit raison, papa. Fafa. Ça va couper. On est ensemble. On est ensemble, alors on va se poser. Pour couper, on va se poser encore. On va se poser. Ça veut dire que ça le dernier, il y a non, l'inspiration est là. Travaillez avec les plus jeunes, les vieux artistes. S'il vous plaît, sachez que le talent, là, c'est Dieu qui donne. Tu peux être en vogue pendant des années. Il y a une génération qui vient. Viens vers eux. On va te donner les nouvelles vibes. Tu seras toujours là. C'est important. Donc, le dernier est là encore. C'est ça. C'est ça. Zokalanga, merci de nous suivre. Vous êtes toujours à l'émission Fafa avec votre ami serviteur, le Dairé. Le Dairé, ça n'a qu'à rentrer. Hein. Le Dairé. Voilà. Alors, Stellaire, on parle toujours des femmes. Mmh. Bon, tu as pour habitude de chanter les femmes, c'est-à-dire bon, le son chillé. Bon, ça, c'est un son de show, tout ça. Mais après ça, tu as chanté les femmes. Bon, est-ce que tu t'inscris dans la catégorie d'artiste lover? Genre les artistes qui mentent aux femmes dans les chansons. Ils les connaissent, mais je ne vais pas dire les noms. Ils aiment mentir. Il y a un là-même là. Ça me rappelle. Il y a un là-même là. On dit s'il vient, on va le frapper. Tellement il énerve les garçons, mais je ne vais pas dire son nom. Ouais, moi, mais il sait, mais il pas dit son nom. Voilà. Moi, dit... Non, pas dire son nom. Pas dire son nom. Donc, tu es un lover ou tu es. Ouais, bon, je me considère comme un lover, un gars qui. Il dit ça quand il prend le rêve. D'accord, voilà, d'accord. C'est une vendaison de rêve. Hein. D'accord, ouais. Voilà. Mais en même temps, bon, voilà, bon, il m'inspire à la base, quoi. Il m'inspire un peu de tout ce que les filles ou bien les mogos voilà, vivent un peu dans leur vie sentimentale. D'accord. Voilà, pour retranscrire ça en musique. D'accord, super. Super, parce que ça a commencé avec Faut Parler. Mais Faut Parler, j'ai remarqué que tu as fait les deux. C'est-à-dire, tu as chanté le garçon, tu as chanté après la femme. Faut Parler, c'est le gourmet classique.
D'accord. Voilà, tu as fait, tu es un mogot, tu veux vraiment sortir avec la go, mais la go ne te regarde pas. Maintenant, voici le truc. Les gens, peut-être les gens n'ont pas capté. En fait, le faux parler là, c'est un gars qui veut sortir une go, la go ne veut pas. Mais la go elle-même aussi, là, elle veut sortir un gars que le gars, dont le gars ne veut pas aussi. Tu vois, non, c'est une chaîne alimentaire. D'accord, oui, d'accord, c'est ça. D'accord, mais nous, on a appris que ton dernier son, ton nouveau single, pourquoi on a appris que tu as vécu un chagrin d'amour, hein. Ça ouais. T'a framponné mal, c'est pourquoi tu as fait sortir le single. Oui, en fait, c'est une histoire que j'ai vraiment vécue. Voilà, quand j'étais étudiant à Dubaï là en question, et puis bon, il voulait mon lago qui sortait, il voulait la marier. Tu vois, mais elle m'a pas vraiment considéré. Voilà, et puis elle passait même son temps même à m'insulter, ce qu'elle m'a fait même insulter des gamins. Le gamin, voilà. C'est un gamin qui peut pas m'occuper de Donc quels sont les contacts, les relations que tu as avec les rappeurs actuellement, à part Kiffin Obi dans ça que vous entendez très bien, mais les rappeurs du moment, les rappeurs aussi qui sont là actuellement, que ce soit Bob Dena, que ce soit nous, que ce soit bon, je vais oublier certains, ne vous fâchez pas, mais la majorité des rappeurs qui sont là, les chanteurs aussi, les jeunes chanteurs et tout, quelles sont les relations que tu as avec eux? Ouais, c'est qu'à la base, moi je suis un gars, je suis ouvert d'esprit. Voilà, je suis extraverti, je ne suis pas coincé, tout ça là. J'ai de bonnes relations avec presque tous les rappeurs, que ce soit Shadow Chris, enfin Kiff No Beat, Suspect, Bob Denar, même la grande sœur Claire Bailly, voilà, tout, en tout cas, nous, notre nouvelle crème là, au moins, je ne pense pas être en froid avec quelqu'un. Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est en froid avec moi, la cabine me dit, on va régler ça à l'amiable. Mais j'adopte cette mentalité là parce que ça ne sert à rien de commencer à avoir des fronts, nous, avec des clashs, et puis le pays ne va pas avancer. Moi, je vois d'abord notre image, généralement l'image de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on doit éviter d'avoir tout ça là. Faut qu'on soit plutôt unis et puis on va aller loin. D'accord, super. Mais dis-moi Stella, tu es vraiment très talentueux. Merci. Mais dis-moi, c'est quoi? Comment tu fais? C'est quoi? Tu t'inspires comment? C'est quoi l'inspiration que tu prends? Parce que nous qui avons les drills, il y a les choses, on dit si nous, hein. Donc il faut dire, si c'est ça aussi, c'est faut dire. Non. Il boit. Un peu quoi. Ou bien... Non, souvent, quand ils sont en train de composer, ça arrive, mais c'est pas tout le temps. D'accord. Alors, ça arrive quand vraiment je me sens vivant, voilà, buveur, la bière, voilà. Et ils sont en train de taper souvent les petites bibines ici. D'accord. Tu vois, non, tu vois, tu peux voir le petit bureau. Tu chicotes les tout. Voilà, je chicote, en fait, tape bien frappé. Pour prendre l'inspiration. Exactement. Donc, souvent, ils boivent. Voilà, pour faire un peu. Mais sinon, tu prends pas le piment. Non, il prend pas le piment. Le piment en Côte d'Ivoire, c'est le tchoukourou. C'est la pommade. C'est le djekouan, c'est le canin. Je ne veux pas expliquer, mais les gens comprendront. En tout cas, je ne fume pas. Voilà, tout est vraiment naturel. Mais alors, la petite chose qui fait ma particularité, quand je dois commencer à composer, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Voilà, c'est pas comme si je voulais. Aujourd'hui, là, il me dit, bon, il doit faire un son, il faut pas aller. Non, il me lève, il commence à composer. Quand un truc sort, et les idées viennent, et puis il commence à coller, ça crée un truc. Il dit, ok, bon, la foi. Comme ça, voilà. Et l'inspiration te vient comme ça, quoi. C'est ça ma spécialité. Mais pour dire, voilà, il sait précisément ce que je veux, non. C'est pas ce style-là. D'accord, c'est super. Alors, Stella, est-ce que tu comptes continuer en single, ou tu prépares un album? Oui, ça c'est une très très bonne question. Il semble préparer un album, il est déjà fini. Voilà, nous sommes en train de mettre en place une stratégie de communication pour que le maximum de personnes puissent savoir qu'il y a un album, un projet comme ça qui est en train de se préparer. Voilà, sinon il est déjà fini. Et puis, bon, c'est quand même beaucoup, 15 titres. Félicitations. Voilà, 15 titres. Félicitations. On a commencé depuis février. Voilà, bon, j'ai commencé depuis février à travailler dessus. Février, tout pas ici là. Ouais, tout fait. Tu as bien frappé 15 titres. Voilà, parce que quand je suis allé au Cameroun, j'ai vu que j'avais pas assez de son à prester. Voilà, c'est stellaire, mais il n'a rien à présenter en fait. Donc, je veux cette année, je veux rentrer avec une grande palette de couleurs. Ouais, c'est ça. Proposer plusieurs. Il a tout ça. Et puis,
Parce que quand même, j'évalue le temps de tous les sons, là, je peux facilement faire une heure de spectacle. C'est déjà bon. Oui, c'est déjà bon. À ce que j'ai déjà, c'est, tu vois. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai fait l'album de 15 titres. D'accord. Super. Super. Et tu comptes les sorties quand? Non, normalement, on avait prévu le 25 décembre. Comme si c'était un cadeau de Noël. D'accord. Voilà. Et on allait prendre deux titres vraiment qui vont te le flamponner cette année. Ça va être méchant. Apprêtez-vous. Oui. Apprêtez-vous. Ça va être méchant. Oui. Donc je disais, on va prendre déjà deux titres qui vont vraiment fracasser cette année pour vraiment mettre l'avant en avant. Et quand il y aura assez de visibilité, on lâche tout. Je vous dis, maintenant, lui qui dit qu'un son qu'elle n'a payé une main, parce que l'album sera mis en téléchargement libre sur toutes les plateformes. Ah bon? Oui. Il te dit que c'est en train de vous faire le réaimement. Le réaimement. Le réaimement de Stéphane. donc on doit vraiment montrer aux gens qu'on fait du son pour eux. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des feats? Est-ce qu'il y a des feats sur lui? Est-ce que tu as appelé des gens pour tes collaborations sur l'album? Tu connais l'artiste de Côte d'Ivoire, non? C'est dur. Même dans ma petite génération ici, là, c'est dur. Voilà, ils sont pas prêts, plein de protocoles, patati patata. Donc, en tout cas, il a appelé un gars, il a pas dit son nom. Un gars, il est dans un groupe, tu vois. Il a appelé sur le mouvement, il espère qu'il va répondre à l'appel. Mais s'il n'a pas pu répondre, il n'y a pas de problème. Tu vois. Voilà, il n'est pas mettre. Il ne faut pas s'en parler, passer en Côte d'Ivoire, c'est ça. Voilà, tranquillement, il a sorti le projet sans souci. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas. Pourquoi tu n'as pas confirmé d'abord? Est-ce que toi, tu as. Quand je dis que tu n'as pas confirmé, c'est en fonction de la question que je voulais te poser, en fait. Donc, je vais reformuler la question. Est-ce que sur l'album-là, c'est toi celui qui a travaillé dessus? Ah oui, mais. Qu'est-ce qu'il me. Fallait appeler un peu tes amis, ils ont. T'appelles Shadow, appelle quelques gars que tu connais. Des beatmakers qu'on connaît pas même, que tu sais qu'ils sont bons, pour venir faire au moins un titre dessus. Il aime pas déranger. Je sais pas si quand il va aller, quelle réponse ils vont me donner, est-ce qu'il aura le temps, est-ce qu'il va vouloir faire, c'est quoi ses conditions. Donc il me dit, en tout cas, il y avait cet objectif en tête. Voilà, il voulait faire mes 15 titres. Il sortait pas. Un temps, si vous voyez qu'il ne faisait plus rien, c'était que ça qu'il faisait. Il était ici à la concentré sur l'album. Voilà. Chaque jour, jusqu'à un moment, il y a eu mal au dos. Chaque jour, il me levait. Il essaie de chercher. Il crée. Il veut écouter. Il fait ceci, tout ça. Jusqu'à. On arrive presque à la fin de la chose. Voilà. Super. En tout cas, tu es un bosseur. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Moi, je viendrai te voir pour faire au moins deux titres. Voilà. Si deux titres avec toi. Tu connais des. Voilà. Parce que moi, il me dit si moi. J'arrive à aider beaucoup de personnes. Voilà, c'est peut-être on va dire oui, non, c'est lui qui a fait. Mais si il dit n'importe quoi, pas toi, par exemple, il fait un son pour toi, et puis c'est le nouveau génération de Chine, c'est qui gagne? Toi, tu gagnes, mais il gagne aussi. Bien sûr, puis voilà. C'est toi qui a arrangé. Moi, demander, mais qui a arrangé le son? Ouais. Super, super, ouais, c'est ça. Super. Alors, mesdames et messieurs, l'émission Fafa est finie. Voilà, l'émission tire à sa fin. Je suis avec l'artiste Stellaire. Il va vous parler. Il va conclure et après moi je viens. Donc les amis, voilà, c'était Stellaire dans Fafa, une exclusivité. Tout ce que vous avez entendu, c'est strictement la vérité. On n'a rien caché, il n'y a pas de mensonge. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé l'émission. Là, je suis avec mon vieux père. Voilà, en même temps, on se connaît donc. Stellaire, super, super. Alors, mesdames et messieurs, Stellaire est un artiste avec qui il faudra compter. Bon, on compte déjà avec lui, mais il vient encore pour framponner, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il vient pour frapper fort avec un album de 15 titres. Mais avant ça, je sais qu'il va sortir encore les sons parce que l'inspiration, ça pleut. Alors, merci beaucoup de nous suivre. À la caméra, vous aviez William Santiago, supervision Soko, réalisation, celui qu'on appelle Roland Le Benguis, post-production, mon type, Denis. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était l'émission Fafa. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Sur ce, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse.